non. Ok. T'as wound. Hey yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau camouflage contrôle exercé, qui est un camouflage qui également, dans le noir, a tendance à briller beaucoup plus que son apparence de base. Et dans le titre, j'ai mis nouveau camo parce que c'était un camo, c'est un camo d'un événement qui est en cours. Je vais vous montrer comment l'avoir. Et j'ai également mis nouveau car 98 parce que je vais m'expliquer. En fait, voici mon class setup. Mon class setup, j'ai gardé 4 accessoires que j'utilise tout le temps. Le silencieux Sonic L pour tout ce qui est vitesse des balles essentiellement et aussi portée des dégâts. Le canon long Precision Gewehr 762 pour tout ce qui est vitesse des balles et portée des dégâts. Ça, c'est la lunette que j'aime bien utiliser, la SPX 86.6. Et les munitions à grain élevé 7.92 pour ce qui est vitesse des balles, portée des dégâts. On peut aussi utiliser les hautes vitesses pour avoir encore plus de vitesse des balles, mais on perd en portée des gaz, ce qui est un peu embêtant si on veut quand même one shot ses adversaires, là en l'occurrence jusqu'à 86 mètres. Et du coup, l'accessoire que j'ai changé, c'est la sangle de reconnaissance. Avant, j'utilisais la sangle de ciblage, il me semble, qui donnait un gain de vitesse de visée. Et maintenant, j'ai opté pour la sangle de reconnaissance parce qu'elle réduit le tressaillement de 50%. Donc en gros, le flinch. Et si on ne met pas en place sangle de ciblage comme j'avais avant et qu'on va dans le stand de tir, que l'on vise, eh ben, on a quand même, vous voyez, si je touche pas à mon joystick, on a quand même une espèce de balancement qui est quand même globalement réduit si on met la sangle, de reconnaissance. Alors ça réduit de 50%, hein, ça ne le réduit pas non plus totalement, mais... Bon, c'est peut-être pas flagrant, mais moi en tout cas dans le gameplay, je trouve que l'arme bouge beaucoup moins et on est beaucoup plus précis. Concernant le camouflage, alors juste si ça vous intéresse la Super I-46, bon ma classe elle a toujours pas changé, hein, c'est toujours la même, très très forte, clairement la méta SMG. Et donc du coup pour le camouflage, c'était l'événement compte à rebours critique, où en fait il faut ramasser vous savez, les ADN dans les caisses ou sur les ennemis que vous tuez. Et en l'occurrence, c'était l'ADN Goa. Et donc, du coup, c'est la dernière étape. Contrôle exercé. Voilà. Profitez bien des gameplays. Un petit solo duo. 15 kills avec une fin extrêmement tendue. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ouais, t'as un peu de taf. Le reste de son escouade est
Ok. Let's go! C'était chaud! Mais on l'a fait! Let's go!